L'avocat et la place de l'avocat dans la société, c'est le thermomètre de la bonne santé de la démocratie. Il permet à tout être humain d'exercer un droit fondamental qui est faire valoir son point de vue. Une démocratie, c'est un régime politique dans lequel ce sont les individus, les hommes et les femmes qu'ils composent, qui comptent leurs droits, leurs libertés. Le droit maille finalement toutes les interactions qui peuvent exister au sein de la société, entre les gens et l'État. L'avocat est une anomalie dans une démocratie. C'est l'idée que la société donne à celui qui va défendre celui qui a violé les lois de la société, qui l'a ébranlé, les moyens, finalement, de la critiquer. L'avocat, c'est la liberté. La défense de la liberté, des libertés. C'est des libertés qui, parfois, vont à contre-courant de ce que demande la société. C'est une voix dissonante dans un environnement dominé par la pensée unique et le politiquement correct. Il incarne peut-être la fonction où la liberté d'expression est la plus grande. Parce que même encore aujourd'hui, je ne vois pas d'autres lieux, d'autres moyens de s'exprimer plus librement que dans le cadre de la défense dans un procès. Sans avocat, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit.